Un mercredi pas comme les autres pour ces jeunes de l'école de rugby de Montfort-l'Amaury qui ont reçu la visite de Xavier Chauveau et Sota Lafasso, deux joueurs du Racing 92. Ils sont allés voir un peu chaque entraînement, commençant des plus petits jusqu'aux plus grands. Et ils s'amusaient, ils rigolaient, et puis voilà. Et là, ils sont en séance d'autographe. Située en zone rurale, l'école de rugby de Montfort-l'Amaury existe depuis seulement 9 ans. Elle regroupe des enfants venus d'une quarantaine de communes et dispose déjà de titres départementaux et régionaux. C'est une opération qui est absolument exceptionnelle pour nous, qui fait le bonheur d'abord des enfants, parce que c'est d'abord pour eux qu'on fait tout ça et que l'école existe. Et puis aussi, c'est une source de motivation pour tous les bénévoles qui permettent de faire vivre l'école. Cette rencontre intervenait dans le cadre d'un partenariat entre le département et le Racing 92. Le principe, permettre à des jeunes rugbymen yvelinois de partager des moments privilégiés avec des professionnels du ballon ovale. Nous, ça nous fait toujours plaisir de revenir voir un petit peu comment ça se passe sur les écoles de rugby. Voilà, c'est là qu'on a commencé et donc on se régale à voir les petits jouer et à partager ces moments-là avec eux. Le message qu'on veut leur faire passer, c'est prenez du plaisir. Le rugby est un sport pour tous. Peu importe qui vous êtes, à n'importe quel âge, que vous soyez un garçon ou une fille, si vous vous amusez en jouant au rugby, alors continuez. Chaque année, le département investit 50 000 euros dans ce partenariat. Prochaine opération fin août. À l'occasion d'un stage, des cadets yvelinois auront le privilège de visiter le centre d'entraînement du Racing 92.